Bon, tout le monde lent? Oui, on est les pépunis. Oui. Oui, hop. Super. Je mets le GPS. Mais aussi, j'ai pas compris, mais on va chez Tim Mamune. Bah, on va chez tonton Robert et tata Jacqueline. Eh ben, mais moi, je les connais pas du tout. C'est normal, tu étais même pas née quand on était allé chez eux. Ouais, c'est normal, on n'y va pas souvent. Et voilà, j'ai mis le GPS. Ah, et mamie, ils habitent où, tonton Robert et tante Jacqueline, au fait? Ils habitent dans la même ville que papy et mamie. Ok, ok. Eh, les filles, j'aime pas du tout tonton Robert et tata Jacqueline. La dernière fois, quand je suis allée manger chez eux, ils m'ont grave disputé parce qu'ils voulaient que je finisse mon assiette. J'étais dégoûtée, vous pouvez pas savoir, mon Dieu. J'en garde un mauvais souvenir. Sérieux, ils ont fait ça? Eh ben... Mamie, ils sont gentils. Oui. Oh, Grenadine, comme tu es jamais allée chez eux, avec ta mère, on va te rappeler 2-3 petites choses. Il faut que tu sois très polie. Bonjour, merci. Oui, il faut que tu sois irréprochable. Ensuite, tu mets pas tes coudes sur la table. Tu parles que quand on te pose une question. Pas de téléphone quand on mange aussi. Ils sont trop exigeants. Oh oui, si tu savais. Tu manges tout ce qu'on te sert. Ah oui, tu finis toute ton assiette, surtout tu laisses rien du tout. Mais s'ils nous servent du cheval ou de la cervelle, ça le suffit. Eh ben tu manges pareil, Grenadine. Oh. Oh. Mais punaise. Ok, pépé. On compte sur vous, les filles. D'accord, ça promet. Ok, ok, les parents, j'ai vraiment pas d'y être. Pas de soucis. Oui, quoi? Oui. Ça craint trop d'aller chez tonton Robert et tata Jacqueline. Faudrait trop qu'on trouve un truc pour aller chez papy et mamie. Ça serait tip top, non? Oh, j'avoue. C'est grave. Oh, j'ai une idée. Bon, qu'est-ce qu'il t'arrive? Maman, je commence à avoir mal à la gorge là et je tousse beaucoup. Oh là là, et moi je crois que j'ai attrapé un coup de chaud, j'ai trop mal au ventre. Oh. Un coup de froid déjà, Grenadine. Oui, maman, un coup de froid. Et moi j'ai ma tête chaude, maman. Ah bon? Aïe. C'est vrai, t'es bouillante. Fou. Non mais les filles, vous êtes toutes les trois pas bien. En même temps, si elle sortait un peu plus couverte. C'est clair, bon, vous êtes vraiment malade là. Ça se voit pas. Aïe, oui. Oui, oui. Non mais chérie, tu connais tonton Robert, il supporte pas les gens malades. Oui, tu as raison, il est un peu hyperchondriaque. Donc on fait comment pour les filles? Jamais il les acceptera malades chez lui. Aïe, j'ai mal. Je suis bouillante. Aïe, ma gorge. Moi, ma tête chauffe encore, hein. Bon, on est où, là? D'après le GPS, on est pas loin de chez papy et mamie. Donc, on fait quoi? On les dépose? Je sais pas, moi. Faut me dire, hein. Oh. Bon, oui, on les dépose, attends. Bon, les filles, ça vous dérange d'aller chez papy et mamie ce soir? Vu que vous êtes malade, on peut pas faire autrement, hein. Pas de problème, oui. Non, non, ça nous dérange vraiment pas. Ouais, ouais, on peut y aller. Bon, bah super, allez, on les dépose. Bon, bah les filles, on vous dépose comme on est à 5 minutes de chez papy et mamie. Oui, d'accord, soit papy et mamie vont me faire du thym avec du miel pour guérir. Oh là là. Quelle vie, sérieux. Non, mais c'est incroyable, elles sont toujours malades quand il faut pas. Trop bien, on a réussi.